salut à tous. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est chez Antirose, African Modern Food. Apparemment, le resto à côté de chez moi, je savais pas. Donc, je viens découvrir. C'est le truc qui m'amène, on est installé. Voilà, car dans un instant, vous allez découvrir toutes les particularités de Antirose African Modern Food. A tout de suite. Il y a une belle vue ici. Bah, tu vois presque tout. Toute la rue de Bramsadi, quand tu es passé. Tu as une belle vue de presque tous les côtés. Hein. Et puis là, c'est le terrain qui est là. Ouais. Belle vue, quoi. Tu vois la route étant ici. On va monter ça avec Bétuel. Mon ami Bétuel qui m'a invité ici, elle est timide. Bétuel, où est la carte alors? La carte est ouverte. Voilà, tu vas regarder. Tu vas me dire ce qu'il y a d'intéressant. Comment tu trouves? Si la carte est riche, s'il manque des choses. Tu es quand même bosse dit. Tu as la vision. Qui vont venir ici sachent combien de temps ils doivent attendre. Pratiquement 30 minutes et plus. Hein. Voilà. On a attendu pratiquement 30 minutes. Oui, c'est 30 minutes. Bon, on a pris un petit déjeuner. Ce sera beignet haricot bouilli. 1500 francs. Waffle egg. Bon. Non, on a pris le premier là, bien avec au bouillie, parce que là il y a Continental, 3000. Il aime la salade de fruits et tout ça, donc tu aurais pu prendre ici avec tout. Ok. Donc, on prend des haricots. Donc, si vous venez ici, préparez-vous à attendre au moins 30 minutes pour recevoir le repas. Parce que nous, on ne mange pas, et non, c'est la vérité. Bon, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis au restaurant en maillot, je sors de ma séance de jogging. Pourquoi je suis en maillot? Comme Bétuel disait, on a attendu déjà 30 minutes. Mais parfois on attend 30 minutes, peut-être parce que le repas sera excellent. Espérons que l'attente sera à la hauteur de la qualité du repas. Donc on vous dira tout à l'heure après avoir goûté. Donc ça, c'est en train de devenir même déjà. Voilà. La bouillie, je vais la bouillie aussi. Ok. Voilà, c'est du haricot beignet. Mmh. Mais tu sais qu'il ne vient dans mon camp. Même chose, c'est quand j'arrive à l'Orléans, si tu veux demander à Paris de faire le haricots, miam, on entre dans l'assiette, vous voyez. Les beignets, les beaux beignets, puis la bouillie. Waouh, l'image elle est nickel. Piment. Voilà. On est prêt pour manger. Bon appétit, Bétuel. Merci. Miam, miam. Bétuel a goûté, moi aussi j'ai goûté. Bon appétit, Dexter. Merci. Tout à l'heure, on va donner les notes. Normalement, on va donner les notes. Mmh. Ah.
Comment tu as trouvé alors le petit déjeuner du resto? Pas mal, les beignets, j'ai apprécié les beignets, haricots avec quelques défauts. Mmh. Bon, je donne la note de 12. 12 sur 20. Ouais. Ok, pas mal pour un début. Voilà, on vient de terminer comme ça au resto, c'était plutôt pas mal. L'endroit est magnifique, le décor, vraiment, pour le décor, c'est magnifique. Sur 5, je donne 5 sur 5. Pour le repas, l'attente, il y avait quand même 30 minutes d'attente. Donc je donne quelque chose comme 4 sur 5. Et pour le repas, les beignets, c'était pas mal. Je donne 3 sur 5. Et puis le haricot aussi. Donc pas mal, pas mal. C'était pas top de chez top. On peut faire mieux. Mais sinon, l'endroit est cool. Bon, on a goûté que le petit déjeuner. On n'a pas goûté les repas, donc peut-être les repas seront mieux. Peut-être on reviendra une prochaine fois pour goûter les repas. Donc pour... Bah, je donne aussi 3. Ça fait 3 plus 3, 6, plus 5, plus 4, 9. Bon, ça fait quand même... 15 sur 20. Bon, pas mal. 15 sur 20.